excédés par la vilissante dictature des États venus d'ailleurs, nous défendions que sans servitude, l'Afrique serait bien meilleure. Il y a plus de 50 ans que nous avons acquis un couronnement méritoire après maintes luttes acharnées pour affranchir nos territoires. Plus de 50 ans libérés des visées expansionnistes de l'ère coloniale. Plus de 50 années sans domination, sans emprise impériale. Cependant, après plus d'un demi-siècle d'indépendance, nous, qu'avons-nous créé de mieux que nos danses? Mais plus encore, quel est le bilan pour nous femmes? Quelles leçons ont été tirées de la marche sur Grand Bassam? Se souvient-on encore de Marie Corée, après sa génération? Combien de femmes décorées? Trop nombreuses, après plus de 50 ans, à vouloir être la femme de quelqu'un au lieu de consacrer nos énergies pour devenir ce quelqu'un. Trop nombreuses à vouloir briller dans l'ombre d'un bienfaiteur, tout juste pour accéder à une pseudo-gloire faite de débris, de lueurs, de projecteurs. Trop nombreuses à vouloir d'un quotidien luxueux en misant tout sur son capital beauté. À vouloir d'un lendemain radieux en se tournant les pouces et en attendant les miracles de Madame Vanité. Alors normal qu'elle s'épanouisse dans nos chairs cette soumission qu'on se plaint injecter dans notre chair. Pour guérir de notre couleur, aujourd'hui trop sombre, trop sale, trop noire pour en être fière. Au nom d'une loi selon laquelle moins c'est noir, plus c'est beau. Née noire, mourir blanche, article numéro 1 de la loi Tchatchou. On brandit d'une main l'étendard d'une émancipation, puis on n'hésite pas à tendre l'autre encore, à servir encore sous subordination. Outrageusement dépendante de la poche des hommes, soumise à leur boulimie de vice, afin de leur soutirer de maudites sommes. Se souvient-on encore du noble combat de Marie Corée? D'ailleurs, sais-tu de qui je parle, génération aux mœurs édulcorées? Après plus de 50 ans, notre corps est devenu une monnaie d'échange, et personne ne lève le petit doigt pour que cela change. Pas même celles qui sont au Parlement, qui espéraient prendre les devants, dont le nombre tôt peu important ne peut suffire à faire tourner le vent. Pas même nous-mêmes, qui avons accepté d'être évalués selon la taille de notre soutien-gorge, au lieu de faire valoir tout l'intellect dont on régorge. Pas même nous, qui avons accepté de croire ceux qui disent que se battre, ça ne sert à rien, et à n'être seulement que ces bouts de viande qu'on peut brader contre n'importe quel bien. Mais pour ces prochaines années, nous devons reprendre le flambeau des batailles acharnées que nous ont léguées nos grands-mères au lendemain des indépendances, car nous avons besoin de chacune de vous, femmes, pour faire changer la tendance. Alors, mesdames, mesdemoiselles et à moi-même, vive l'indépendance !